Studio Lacan, bonsoir. Bonsoir Carolina. Un divan dans le monde avec Saint-Phal. La formule est facile. Le portrait habité que Gwenaël Aubry dresse de Niki de Saint-Phal dans son dernier livre, dans un geste littéraire qui touche juste, a suscité avec Carolina notre désir d'y consacrer le cœur de l'émission d'aujourd'hui. Saint-Phal et Gwenaël Aubry, car par l'écriture quelque chose trouve indiscutablement à se nouer entre elles, nous emporte aussi par le portrait de l'artiste même à des résonances fortes avec l'esprit du temps. L'inceste, l'abus sexuel, le combat du mouvement féministe, la dimension de la révolte comme telle et pourquoi pas le tout le monde est fou lacanien. Mais l'ensemble est pris par le prisme certes politique mais par la politique du faire œuvre de l'artiste, dont nous pourrons discuter. Un quotidien titré à propos de Saint-Phal, l'artiste qui tirait à balles réelles sur le patriarcat, nous verrons ce que Gwenaël Aubry en pense. Au sein de cet échange, Virginie Leblanc tiendra avec autant de résonance la chronique culturelle. Elle nous parlera de la puissance des rêves à l'heure du nouveau régime climatique. Et en clôture d'émission, nous échangerons quelques propos avec Dominique Corpelet sur le dernier ouvrage d'Hervé Castanet, Neurologie versus psychanalyse. Mais d'abord, un divan dans le monde avec Saint-Phal. Allons-y. Bonjour Gwenaël Aubry. Bonsoir. Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui à Studio Lacan et vous êtes philosophe. Vous êtes actuellement directrice des recherches au CNRS. Vous êtes écrivain. Vous avez publié plusieurs romans, plusieurs récits, notamment Persona qui a reçu les prix Femina en 2009, mais aussi Partage, La folie, Elisa et Saint-Phal, Montée en enfance, magnifique livre sorti en 2021, à propos duquel on va discuter aujourd'hui. Alors, nous avons plusieurs questions avec Yves, et on va peut-être commencer par une question que sans doute on vous a beaucoup posée, mais je trouve que c'est une bonne entrée dans les sujets. Vous avez choisi un titre qui est d'emblée un peu énigmatique, qui interroge les lecteurs. Saint-Phal, montée en enfance. Alors, nous avons d'une part, c'est montée. Donc, que veut dire montée en enfance? Et puis, on remarque que dans votre titre, le Niki a disparu. Le donc, Niki n'est plus là. Plus la Niki. Mais oui, mais un patronyme pareil, Saint-Phal, qui articule le masculin et le religieux. Bon, difficile de passer à côté. Je voulais aussi aller contre l'habitude persistante qui consiste à nommer, à désigner les femmes artistes, écrivaines aussi bien par leur prénom. On ne songerait pas à appeler Picasso Pablo ou Gaudi Anthony. Donc il y avait ça. Quant à ce sous-titre, Montée en enfance, il indique l'un des grands enjeux du livre, enfin, l'un des grands enjeux pour moi artistique aussi. On dit tomber en enfance comme tomber amoureux, mais je crois qu'on peut aussi monter en enfance. C'est comme la Reine Blanche le dit à la liste de Lewis Carroll, pourquoi ne se souviendrait-on que du passé?
Et peut-être que l'enfance est d'autant plus à venir qu'elle a été plus abîmée, plus fracassée, ce qui a été le cas de l'enfance de Nikki de Saint-Phal. Et par ailleurs, je parlais de l'enjeu que ça représentait pour moi. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai surtout écrit à partir de l'adolescence. Je crois, c'est une catégorisation un peu sauvage, mais que les artistes et les écrivains se partagent en deux tribus. La tribu de l'enfance, la tribu de l'adolescence. Ce qui engage un certain type de rapport à la langue. Bon, je ne sais pas si on parlera peut-être plus tard. Disons, un rapport de méfiance ou de confiance à la langue maternelle, je dirais. Je pense que la tribu de l'adolescence a une forme de défiance envers la langue héritée, envers la langue maternelle. Jusqu'à présent, j'ai écrit à partir de l'adolescence. Et là, me mettre en quête de Nikki de Saint-Phal, mettre en quête de Saint-Phal, c'était me mettre en quête de l'enfance. Elle est l'une des grandes reines de la tribu de l'enfance. Tinguely disait d'elle, elle est l'artiste enfant. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez elle, disait-il. Alors, on aura sûrement l'occasion de revenir un petit peu sur tout le parcours qui se dessine dans ce monter en enfance. Vous venez de le dire, Saint-Phal a eu une enfance difficile, disons. Et au fond, dans votre livre, vous dessinez le parcours de vie de Saint-Phal en l'articulant à son œuvre, en insistant pourtant qu'on ne peut pas réduire évidemment l'œuvre à un élément autobiographique. Et vous dites, entre autres, puisqu'elle a été victime d'un inceste, que l'inceste, par exemple, ne donne pas la clé de son œuvre, qu'elle n'en a pas fait son identité ni sa légitimité. Elle n'a pas non plus cherché à s'en guérir ni à s'en consoler. Vous insistez pour dire que l'art n'est pas une thérapie. Oui. Et vous dites quelque chose de très différent, me semble-t-il, en disant que c'est le salut de l'artiste qui se joue. J'aurais voulu... Oui, merci. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui, c'est ça que je cherche aussi chez elle. Hein. C'est l'art comme geste de conjuration, comme geste de survie. Ce mot-là de survie dans son ambivalence... désigne mon propre rapport à l'écriture. Survie, c'est-à-dire au sens à la fois de la persévérance contre les forces mortifères, contre tout ce qui vous affaiblit, tout ce qui vous épuise, mais la survie au sens aussi de la vie de grand vivant ou de grande vivante. C'était déjà ça que je traquais chez Sylvia Plath, la poétesse américaine à laquelle j'avais consacré un précédent livre, et qui entretient plein de liens avec Saint-Phal, à commencer par ce Daddy qu'elles ont en commun. Sylvia Plath a écrit un poème qui s'appelle Daddy. Saint-Phal a fait un film avec Peter Whitehead qui s'appelle Daddy, qui est sous-titré Journal d'une psychotique, par ailleurs. Donc je traque la survie, et c'est d'ailleurs aussi ce mouvement-là, ce mouvement de chute, puis de relance vitale ou de ressaisie qui anime les figures qui... les figures elles fictives qui traversent mes romans. Donc c'est ça, effectivement, qui m'intéressait aussi chez Saint-Phal. Il y avait beaucoup de choses, il faut beaucoup de démentation pour avoir envie d'écrire un livre. Il y a effectivement chez elle, au fond d'elle, une enfant très abîmée par un père incestueux, par une mère violente, disait-elle. Mais elle n'a raconté ça que très tard, à 63 ans, dans un texte autobiographique qui s'appelle « Traces », et alors qu'elle avait déjà semé dans le monde entier ses traces monumentales, ses traces triomphales. Enfin, elle a transformé aussi son nom en triomphe. Et de fait, elle-même ne fait pas de cette enfance, de cette fêlure, de cette brisure... elle se refuse à faire une clé. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que... Alors, d'une part, elle code l'enfance par l'enfance. Tout se passe comme si elle avait recours à un lexique enfantin pour, langer cette enfance abîmée. Non, un lexique enfantin fait de... Les lexiques enfantins ne sont pas faits, enfin, vous le savez mieux que moi, de douze berceuses et de poupées. Bon, donc, son lexique enfantin est cruel, comme c'est normal. Il est fait de monstres, il est fait de cauchemars. Bon, mais il est fait aussi du langage qui était le sien quand elle était une petite fille américaine, de comics, etc. Bon, elle code l'enfance par l'enfance, et en même temps, il me semble qu'elle remonte plus loin
encore que l'enfance. C'est-à-dire qu'elle monte vers le... Elle monte vers l'archaïque, mmh. elle monte vers le mythe, mmh. elle monte vers l'impersonnel. Mmh. Et ce recours au mythe, chez elle, m'intéresse beaucoup. J'ai écrit un livre qui était, pas, enfin, qui était de la fiction, disons, qui n'était pas un essai, qui s'appelait Perséphone 2014, et qui s'ouvrait sur une phrase de Yeats, qui dit, à peu de choses, enfin, quelque chose comme « J'ai toujours pensé qu'il y a pour chaque homme un mythe qui, si on le connaissait, nous donnerait la clé de tout ce qu'il a vécu, pensé. Bon, » c'est un peu terrifiant, le mythe, comme instrument de transparence ou de dévoilement. Mais en même temps, je pense, oui, enfin, je sais que moi, j'ai vécu dans le mythe de Perséphone pendant ma vie entière, ou presque. Et il y a chez elle ce recours au mythe, comme si, justement, l'enfance profondément abîmée ne pouvait être un tant soit peu réparée que par le recours à l'impersonnel. Oui. Comme si l'art individuel, oui. le récit autobiographique, oui. le récit familial, était finalement impuissant. Comme s'il fallait convoquer des figures plus grandes et plus fortes, c'est-à-dire justement des figures mythiques. Tout à fait. J'avais remarqué une phrase que vous dites, « Elle monte en enfance plutôt que d'y tomber ». J'ai trouvé ça très, très beau. Et effectivement, vous venez de le dire, mais je trouvais que, effectivement, cette réparation de cette enfance saccagée ne passe pas par un « je ». Elle ne dit pas « je ». Elle va, comme vous dites, vers cet impersonnel, cet anonymat dans son œuvre, et que ça ne passe pas par un récit de son vécu. Non, elle est très jeune. Elle a fait une pièce de théâtre avec Rainer Van Zandt qui s'appelait « Ich ». Mais qui, en fait, était une projection dans des identités multiples, enfin, Ich et tour à tour, je ne sais plus, chirurgienne, mère au monstre, prostituée, oui, elle sait qu'on est plusieurs, je pense qu'elle sait aussi qu'on ne crée qu'à condition d'être attentif à sa foule intérieure, à tous ceux qui, à l'intérieur de nous, disent « je ». Oui, donc, c'est un point important, parce que ça ne passe pas par le témoignage, mais par le faire œuvre. Vous dites au fond qu'elle installe tout ce processus de cette enfance saccagée sur une autre scène. C'est le terme que vous utilisez. Oui. Par son œuvre même. Enfin, quelque chose. Oui, sur cette grande scène archaïque, qui en même temps articule, enfin, c'est ça aussi qui est intéressant chez elle, qui en même temps, vous le disiez tout à l'heure, est aussi une scène politique. C'est-à-dire que l'articulation chez elle entre le mythe et le politique est singulière et vraiment intéressante. Et souvent gommée, enfin les deux sont souvent gommés d'ailleurs. On connaît un peu les tirs, on oublie qu'elle a tiré en pleine guerre d'Algérie. On ne sait pas forcément qu'elle a très tôt articulé le Black Power et le Nana Power. Je pense que ça, la formule de son féminisme, de son rapport au patriarcat, est aussi une formule singulière. Donc il y a aussi chez elle cette articulation qui m'intéresse. Donc pas le jeu J.E. en revanche, et très certainement et très centralement, le jeu J.E.U. C'est ça. Voilà, c'est ça qui fait sa soudure siamoise à Tinguely. Et c'est ça aussi qui la propulse dans ce parcours, en fait, de métamorphose et de renouvellement constant. Oui, alors on reviendra sur la dimension politique, disons. Oui. Mais votre livre n'est, il me semble que je vous ai entendu dire ça quelque part, ce n'est ni une biographie, non. Ni un essai d'histoire de l'art. Vous dites, j'ai commencé à jouer avec Saint-Phal. Oui, merci d'être attentif à ça, qui pour moi est important. En fait, il fallait inventer, mais bon, il fallait inventer, c'est pas une loi, mais c'est ça qui m'intéresse. Inventer, pour trouver pour chaque livre une forme nouvelle. Et là, oui, la forme de ce jeu-là s'est imposée, c'est-à-dire le jeu de tarot. En fait, je tire ces cartes, le livre, la matrice du livre, c'est vraiment le jardin des tarots, cette œuvre monumentale, oui, le jardin des tarots, mais d'autant qu'on le connaît peu en France. Le jardin des tarots, elle en parlait comme de son destin, comme de son grand œuvre. C'est un endroit qui est caché dans les plis d'une colline en Toscane,
Elle a passé 20 années de sa vie à le construire de la fin des 70 à la fin des années 90. Et elle a semé là, dans les plis de cette colline, les arcanes majeures du tarot, sous forme de figures monumentales, de béton, de céramique, de mosaïque. Et elle a vécu là, elle a vécu à l'intérieur de l'une de ses figures, de l'une de ses cartes, elle a vécu à l'intérieur de l'impératrice. Ça aussi, ça me fascinait. Enfin, elle a vécu dans son œuvre, dans cette espèce de matrice qu'elle s'est fabriquée. L'intérieur de l'impératrice est entièrement couvert de miroirs, d'éclats de miroirs, si bien que dès qu'on y entre, on est pris dans cette espèce de courbe de hypnotique et l'image est complètement diffractée. C'est très étrange et très troublant. Bon. Et elle a vraiment vécu là, à l'intérieur de son œuvre, jusqu'à ce qu'elle ait le sentiment que que l'impératrice, dont elle parlait comme de sa mère, la dévorait. Et elle a quitté l'impératrice. Donc je suis allée au Jardin des Tarots, ça m'intriguait. J'y ai passé une semaine, j'ai été accueillie par les membres de sa tribu, les artisans, les ouvriers qui l'ont construit avec elle, qui ont vécu là avec elle, et qui m'ont ouvert d'abord les portes secrètes du jardin, parce qu'il y a des endroits voilà, où on ne peut plus aller, les chambres secrètes de la tour de Babel, la main du magicien, et puis qui m'ont aussi ouvert leurs souvenirs, leurs mémoires. Et très vite, j'ai su que le livre allait se construire comme ça, comme une promenade dans ce jardin, mais aussi comme un tir, alors cette fois au sens, pas un tir à la carabine ni à la Kalachnikov, mais je tire ces cartes. Et là, il y avait pour moi un enjeu artistique vraiment important qui était comment faire des tarots la matrice de ma propre combinatoire, comment maintenir les possibles de cette combinatoire tout en les disposant dans un récit linéaire. Mmh. Donc aussi, comment laisser place au hasard. Quand on construit un livre, même quand je construis une fiction, un roman, j'aime laisser des creux, j'aime laisser des interstices, des intervalles pour ce qui peut surgir. Mais là, il fallait vraiment intégrer cette question du hasard à la structure du livre. Et en fait, au début, un parcours s'est imposé de façon très, très intuitive, de la force à l'impératrice. J'ai commencé à écrire ce livre. Et alors que, effectivement, j'essayais de m'acheminer à travers elle, vers l'enfance, à travers ce jardin, vers l'ailleurs, j'ai perdu les deux. J'ai perdu la très vieille dame qui avait été le garant de mon enfance et qui était tombée en enfance, comme on dit. Mmh. Ma grand-mère, et nous avons tous perdu l'ailleurs puisque la pandémie est arrivée. Et finalement, c'est le réel qui a fait effraction dans ce livre, sous la double forme du deuil privé, des deuils privés, j'ai aussi perdu mon grand-père, et du désastre collectif. Et je l'ai laissé entrer. Enfin, quand le réel s'impose avec cette force-là, on le laisse entrer. Un livre n'est pas une chambre close ou se confiner. Et là, j'ai tiré d'autres cartes que je n'avais pas prévu de tirer. J'ai tiré la mort, le pendu et le fou. Et j'ai tiré le monde, la dernière carte, la carte sur laquelle s'achève le livre. Et je pense qu'en fait, c'est à ce moment-là où quelque chose est arrivé d'imprévisible que j'ai vraiment commencé à jouer avec elle, avec Saint-Phal, en même temps qu'à appliquer la grande règle de son jeu. C'est-à-dire que là, le livre s'est mis, d'une certaine façon, à faire ce qu'il disait. Mmh. Au sens où j'ai rejoué, en fait, le réel. En tirant ces cartes, je les ai rejouées. Je ne crois pas que l'art puisse changer le réel, on le saurait. Mmh. Mais je pense qu'il peut, à tout le moins, le rejouer. Voilà. Bon. Et que jouer, c'est déjà une façon de triompher, d'en triompher. Bon, ben, sur cette question du réel, on va faire une petite pause en passant à notre chronique « L'écho dans la culture ». Bonsoir Virginie. Bonsoir.
Virginie Leblanc, tu es psychanalyste à Lille. Tu t'intéresses souvent au lien entre la psychanalyse et la littérature contemporaine. On le sait par tes articles, par tes travaux. Et aujourd'hui, tu souhaites nous parler du dernier ouvrage de Nastassia Martin, « À l'est des rêves, réponses et veines aux crises systémiques ». Alors, on a encore un titre assez intriguant. Oui, tout à fait. Et je voudrais commencer en vous lisant une citation. Les sociétés primitives ont beaucoup à nous apprendre. Elles qui tendent chacune à un respect de toutes les formes de la vie. Je crois que notre société, qui depuis si longtemps traite l'homme comme le seigneur et le maître de la création, dont il peut disposer à sa guise, sans aucun égard pour le globe terrestre qu'il laissera à ses successeurs, notre société a beaucoup à apprendre d'elle. Alors sans doute aurez-vous reconnu le style si caractéristique de Claude Lévi-Strauss, dans le sillon duquel Nastassia Martin inscrit ses pas de manière assurée, elle a à peine 40 ans, ouvrage après ouvrage. Pourtant, elle donne un tour absolument neuf à l'anthropologie. Alors bien sûr, comme Lévi-Strauss, le point de départ de sa vocation est sans doute une certaine inadéquation avec le mode de vie occidental, une même attirance pour l'état originaire de ces soi-disant sociétés primitives. Mais quand elle part dans le Grand Nord, au Kamtchatka plus précisément, pour étudier les sociétés animistes auprès des éleveurs de rennes et veines qui ont fait le choix politique de retourner vivre dans la forêt après la chute du bloc soviétique, eh bien, bien loin de retourner aux sources d'un passé mythique préservé, ce qu'elle découvre va la dévaster. Suicide, déshérence, alcoolisme, ces peuples autochtones sont comme touchés par le pire de notre modernité. Ce qu'elle découvre ne concerne donc pas le passé, l'origine, mais bien le futur. Oui, et c'est un futur, on pourrait dire, qui nous concerne apparemment de près. Oui, en effet, car le cœur de l'objet de recherche de Nastassia Martin, c'est bien notre inséparation foncière. Elle a fait sa thèse avec Philippe Descola, dont toute l'œuvre renverse le paradigme de l'opposition entre la nature et la culture. Et ce qu'elle donne à voir, c'est à quel point le destin de ce collectif évène avec lequel elle va vivre plusieurs mois est lié au nôtre, mais aussi l'influence que notre mode de vie occidental ont sur le reste de la planète. Car c'est dans leur chair que ces peuples mesurent jour après jour, mais meurent aussi, ils mesurent le dérèglement climatique avec le dégel du permafrost, l'émigration toujours plus lointaine des espèces sauvages et une sorte de déboussolement généralisé des hommes et des bêtes. Pourtant, ce qui intéresse Nastassia Martin, ça n'est pas de se désespérer sur la perte, mais d'envisager vraiment la possibilité du renouveau, de la métamorphose. C'est aussi une proche de Bruno Latour dans ce sens qui vient de disparaître. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on comprend mieux cette question, c'est ces sous-titres « Réponses et veines aux crises ». Voilà, tout à fait. C'est du côté des réponses. Des réponses. Oui, car elle a la conviction que leurs réponses nous concernent et peuvent nous aider, nous aussi, à traverser cette crise de civilisation, eux, dont le mode de vie forcé dans l'école cause a engendré la perte de leur mode de vie traditionnel, la disparition de leur chaman, par exemple, qui traduisait les signes de la communication intime entre les humains et les autres qu'humains, comme elle les nomme. Alors, vous l'entendez, son travail est véritablement de l'ordre d'une rencontre. D'abord, la rencontre inouïe avec ce dont elle avait l'intuition, celle d'un ancien monde, comme elle le dit, renaissant de ses cendres pour faire face à une crise. Mais surtout rencontre avec Daria, qui est la chef de ce collectif et sa famille, qui se désespère, comme elle le dit, Daria, d'avoir oublié les gestes appropriés. Notre mémoire s'est perdue avec toute cette histoire. Les hommes baptisés, le kolkhoz et le reste, je n'ai plus que les mots. Alors chaque petit matin, Daria va apprendre à Nastassia à lire les rêves à la lettre pour déchiffrer le monde, le rêve apparaissant comme point de liaison entre les hommes, les animaux et les éléments. Voilà, donc Nastassia Martin ne se contente pas de décrire, elle expérimente véritablement le terrain qu'elle a fait sien. Elle qui a d'ailleurs payé le prix fort de cette implication dans sa rencontre avec un ours qui a bien failli la tuer, qui l'a défigurée, elle le raconte dans un magnifique récit auto-fictionnel qui s'appelle « Croire aux fauves ». Alors elle se fait trait d'union entre Orient et Occident, plaque sensible qui résonne physiquement de l'effondrement de notre monde. « Que fais-je d'autre » écrit-elle.
causer un pas de côté pour mieux voir les signes qui pulsent en moi et qui annoncent l'époque, ses contradictions, sa fureur, sa tragédie et son impossible reproduction. Mon problème n'appartient pas qu'à moi. La mélancolie qui s'exprime dans mon corps vient du monde. Alors j'espère que vous l'entendez. C'est assez magistralement que Natacia Martin fait entrer l'anthropologie en littérature pour nous inviter à reprendre le fil de notre histoire et à créer de nouveaux récits pour penser le monde qui vient. Oui, merci Virginie. Et à merci. Quelques résonances, je me disais avec la métamorphose qu'elle évoque et ce que Gonaël Aubry essaye de traquer d'une transmutation dans le travail de Saint-Phal. C'est juste l'occasion de mentionner le prochain numéro de la revue de l'Eurofédération de psychanalyse qui s'appelle Mental, dont vous êtes Virginie la rédactrice en chef, la parution de ce nouveau numéro qui traitera de ce thème de la question climatique du point de vue de la psychanalyse sous le titre Écologie lacanienne. Merci. Bon, alors c'est cette question de la transmutation et du réel sur lequel on s'est arrêté avant la chronique de Virginie, c'est peut-être l'occasion d'y revenir. J'ai été frappé que le signifiant révolte, en quelque sorte, est central dans votre livre et dans toute la vie et l'œuvre de Saint-Phal. Et comme on a déjà eu l'occasion d'en discuter, elle donne immédiatement une lecture politique, je dirais, de l'inceste qu'elle a subi et de l'art, de son art, par exemple. Elle oppose d'ailleurs, je trouve c'est magnifique, mais ça demande un peu à être déployé, ce qu'elle appelle la misérable rébellion de son père, pour qualifier l'acte incestueux, et sa réponse, qu'elle qualifie de grandiose révolte. Oui, je sais pas, c'est moi qui dis grandiose révolte. En tout cas, c'est vraiment elle qui parle de l'inceste, effectivement, comme d'une misérable rébellion, qui en donne, donc à 63 ans quand même, ça, qui en donne une lecture politique, et qui, toujours dans ce texte un peu tardif quand même, a dit qu'elle a décidé finalement de... Là, ce sont mes mots à moi, mais d'inverser les signes de ce geste-là, c'est-à-dire passer... du côté des dominants à celui des dominés. Elle est issue d'une grande famille d'aristocrates et de financiers. Et donc, effectivement, ça s'est changé, cette rébellion en révolte. Elle dit, sa plus jeune, je crois, « J'ai fait la révolte parce que je suis née dans le mauvais milieu pour moi », ou quelque chose comme ça. Donc oui, il y a d'emblée cette lecture politique. D'emblée aussi, cette... oui, bah cette façon de faire entrer dans son œuvre, eh bien, de donner forme vraiment à cette déclaration-là. Donc on parlait des tirs, voilà. Il y a aussi. Elle a des propos extraordinaires autour de ces tirs. Oui, alors les tirs, c'est ça, parce qu'en fait, elle dit qu'elle tire effectivement sur son père, elle dit qu'elle tire sur le patriarcat, elle dit qu'elle tire sur l'Église, elle dit aussi qu'elle tire sur elle-même et sur sa propre violence. Bon, et puis elle parle de la jubilation extrême que c'est de la jouissance que c'était, de l'effort qu'il lui a fallu faire pour y renoncer et pour passer à autre chose. Mmh. Elle a vraiment dû se contraindre à arrêter. Et puis les tirs, ça n'est pas le tout début. C'est comme ça qu'elle a surgi, en fait, sur la scène artistique, de façon très, très dramatique, puisqu'elle tire vêtue d'une combinaison blanche d'Amazon ou de Catwoman. Elle tire sur... des surfaces aussi impeccablement blanches, trois couches de blanc au moins, mais qui viennent dissimuler une espèce de fouillis fait de, je sais pas, de boîtes de conserve, de boîtes de sauce tomate, etc. Bon, elle invente un rituel d'une extrême puissance, une sorte de magie noire qui passe par le blanc et dont elle est elle-même l'officiante, puisqu'elle vient à la carabine, elle vient trouer le blanc, elle vient déflorer le blanc, bon, et en faire jaillir des couleurs pures qui sont autant de flux séminaux. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très jubilatoire dans cette
Et cette exposition à Mons, où on pouvait s'exercer à tirer. Et oui, on devine quelque chose du plaisir qu'elle a pu ressentir, que d'autres ont ressenti, parce que ces tirs se sont propagés comme une traînée de poudre un peu partout. Mais avant les tirs, les toutes premières œuvres, qui sont bien moins connues, sont des assemblages. Mmh. Et là, en fait, elle fixe sur des cadres de bois une sorte d'arsenal létal fait d'instruments contondants, de ciseaux, de couteaux, d'ustensiles de cuisine, etc. Un arsenal létal qu'elle a, pendant des années, porté, sinon à même sa peau, du moins dans son sac à main, et en double exemplaire sous son matelas, au cas où l'envie d'en finir lui serait venue. Ceci avant sa tentative de suicide, avant son hospitalisation à Nice, etc. Donc tout se passe comme si cet arsenal létal passait, en fait, d'abord de sa peau ou de son lit à ses cadres sur lesquels, ou même dans lesquels elle l'encage en vérité, venait ensuite avec les tirs se couvrir de blanc. Et puis après les tirs, il y a une autre phase encore qui est celle des accouchés qui sont, et des accouchements qui sont une sorte de carnage, enfin de scènes de crime, une sorte de fouillis organique qu'aucun blanc ne vient plus langer ni dissimuler. Puis viennent les mariés, et là elle inverse le blanc et les enrobe entièrement. Elles sont tout entières couvertes de tulle. Et puis un jour, elle le raconte vraiment comme ça, venue de rien, venue ex nihilo. Les nanas qui, elles, sont, enfin, bon, que tout le monde connaît, c'est ce que d'elles on connaît, c'est ce qui fait d'ailleurs écran au reste, qui, elles, sont non seulement colorées et en mouvement, mais aussi, et ça, je ne suis pas sûre qu'on le souligne assez, rigoureusement impénétrables. C'est ça. Impénétrables. C'est ça que je voulais revenir sur ça, parce que c'est que j'avais trouvé formidable dans votre livre, c'est comment vous faites valoir toute la puissance des renouvellements, des renouveaux, des métamorphoses qu'elle a. Parce que c'est vrai, comme vous dites, elle passe de ces assemblages aux accouchés, des accouchés aux mariés, des mariés aux danans, il y a les tirs, il y a jusqu'au jardin des tarots. Oui. Mais il y a une puissance des renouveaux chez elle qui est quand même assez, assez incroyable. Mais dans votre livre, j'ai trouvé très fort ça, que vous faites valoir quand même, vous avez une, faites valoir une logique interne à tous ces mouvements. Il y a cette logique entre pénétrabilité, impénétrabilité, quelque chose d'une chair qui surgit et quelque chose d'une chair qui se voile. Oui. Et on a l'impression que elle bascule, elle est dans une quête de soit montrer la chair en forme quelque part, soit ça vient l'œuvre avec ses blancs immaculés, la couvrir. Et ça, je trouve que c'est extrêmement précieux dans votre... Merci de souligner ça, parce que c'est vraiment une hypothèse de lecture. Enfin, oui. Je ne suis pas historienne de l'art, je suis écrivaine, mais c'est vrai que son parcours est très énigmatique, parce que complètement accidenté, absolument pas linéaire à première vue. Et c'est vrai aussi qu'elle... l'une de ses formules majuscules, très tôt proclamée, c'est « du neuf ou rien ». Donc il y a cette volonté affirmée de renouvellement. Et je crois, je crois que peut-être la logique cachée, c'est celle de la pénétration et de l'impénétrabilité. Jusqu'au Jardin des Tarots, d'ailleurs. D'abord, le Jardin des Tarots se dresse quand même un peu partout, des serpents, elle convoque tous les serpents de toutes les mythologies, de toutes les traditions religieuses, et jusqu'à cette impératrice dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette matrice dans laquelle elle s'enferme. Oui, elle dormait vraiment. Elle dormait dans son sein gauche. Oui. mais dont elle parle justement comme d'une forteresse, d'un lieu où personne ne devait pouvoir entrer, jusqu'au moment où justement elle a eu l'impression que ce qui devait la protéger, la séparer, la tenir à l'écart, etc., à l'inverse, l'a ensevelie et dévorée. Je crois que c'est là jusqu'à la fin, en fait, cette affaire.
Il y a toute une série de distinctions, je trouve, très subtiles, qui ont une portée politique. Vous dites, par exemple, que, ou je ne sais pas si c'est Saint-Phal qui le dit, que c'est une vraie révolte. Et en même temps, une vraie révolte avec un formidable appétit de vengeance qui l'habite. Et en même temps, vous dites une absence totale de ressentiment. Oui. Ça m'a beaucoup parlé, intéressé. Ça me frappe beaucoup, ça, oui. Chez elle. Oui. C'est très étonnant, mais je pense que c'est un geste... c'est vraiment un geste de grande vivante. Mm-hmm. Arriver à transformer... oui, les passions tristes, enfin, ce que Spinoza appelle les passions tristes en autre chose. Elle dit, par exemple, c'est très drôle, enfin, il y a aussi quelque chose de je sais pas, du bouclier de percée ou du miroir, des cours de récré. Elle dit, par exemple, les machos ont été mes muses. Ce qui est très drôle. Enfin, c'est une façon de les renvoyer justement à la place même à laquelle ils ont pu chercher à la signer. Elle dit qu'aurais-je pu faire d'une mère qui m'aurait aimée. Finalement, la mauvaise opinion de moi que vous aviez de moi, ma mère me fut extrêmement précieuse, etc. Ça, ce sont des textes très beaux. Ce sont des lettres posthumes à sa mère, à Tinguely, voilà. Et à chaque fois, il y a ce même mouvement d'inversion à l'œuvre de. Ouais, alors la colère est là, la colère reste intacte, mais c'est une colère sans ressentiment. Alors, on touche déjà un petit peu à la fin, mais peut-être on se doit d'épingler, vous l'avez déjà évoqué, le film Daddy, qu'elle qualifie elle-même de film profanatoire, et où elle dit c'est une mise à mort du père. Ça c'est moi qui le dis. C'est vous qui le dites. C'est vraiment. Mais le fait est que c'est ça que ça donne, que le film donne à voir. C'était un film d'une grande violence qui a fait scandale à sa sortie. Seul Lacan et Godard l'ont aimé. Voilà, c'est pour ça que je vous relance là-dessus. Voilà. C'est pas si mal. Mais Tinguely lui-même avait des réserves. Oui. Ouais. Non, c'est un film très 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 violent et c'est un grand rituel profanatoire qui, à mon avis, a pour objet d'inverser en fait le regard du père, son père et elle quand elle. Quand elle était enfant, on jouait à Colin Maillard. Colin Maillard, c'est Blind Man en anglais. Mm-hmm. Et on voit dans Daddy les scènes de ce père aux yeux bandés, poursuivant une petite aux yeux bandés aussi, dans un labyrinthe de buis. Bon. Et tout qu'on... Je crois que vraiment, le film qui a l'air, d'être juste une sorte d'exercice, comment dire, punk, en fait... organise une très rigoureuse inversion du regard. Il a été tourné au château de Beauregard, ce qui ne s'invente pas, mais il s'agit de se rendre maîtresse du regard du père qui finit immobilisé sur une chaise et contraint de regarder ce que la fille choisit de lui donner à voir. Et c'est ça qu'elle a fait. Parce qu'elle disait aussi, et ça cette fois contre la mère, qu'elle voulait tout montrer, tout donner à voir. Ce qu'elle a fait. Et elle montre des monstres, y compris l'enfance comme monstre. C'est ça. Vous connaissez un peu les coordonnées qui font dire que seuls Lacan et Godard ont aimé ? Non, j'aimerais bien savoir plus. Oui, oui. Si vous avez des informations. Non. Pas moi, en tout cas, je ne sais pas vous. C'est dans on va se renseigner. Secret, c'est dans sa... Non, ça n'est pas elle qui le dit, c'est sa biographe. C'est, je pense que c'est là où je l'ai lu. Ouais. Voilà, on doit malheureusement arrêter cet échange-là qu'on aurait vraiment bien continué. On invite chacun surtout à plonger dans votre livre qui est vraiment aussi d'une écriture qui nous a vraiment accrochés et qui permettra vraiment de poursuivre un peu cet échange qui n'était qu'un préliminaire pour nous y donner goût. Je vous remercie d'être... Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à la dernière séquence qui est l'actualité de la psychanalyse. Voilà. Dominique Corpelet, alors comme je le disais, notre actualité de la psychanalyse, nous allons la tenir avec vous
en parlant du dernier livre d'Hervé Castanet. Hervé Castanet a été l'invité de Studio Lacan en décembre 2021, je pense, avec Patrick Landman pour une émission qui avait pour titre « La thèse neuro tient-elle la route ?» Et il fait maintenant notre actualité éditoriale avec un ouvrage qui a pour titre « Neurologie versus psychanalyse ». Merci Yves. Alors ce livre vient à point nommé dans un contexte où finalement la thèse neuro est en passe d'envahir tous les champs de la vie et du savoir. Tout aurait une cause cérébrale. Et dans la langue, on assiste à une prolifération, une extension finalement de l'usage du préfixe neuro, neurophilosophie, neuropsychologie, neuroéconomie, neuropsychanalyse. Mais alors, neurologie versus psychanalyse ? Alors le titre s'articule autour de ce terme pivot, précisément versus, qui fait écho au combat, qui est un signifiant clé de l'ouvrage d'Hervé Castanet. Hervé Castanet écrit un livre de combat, car le paradigme du tout neuronal est hégémonique. Il vise à objectiver, à naturaliser l'humain en le réduisant à une causalité unique dans le cerveau. C'est la thèse neuro. Donc il y a un combat. Précisément, l'enjeu du tout neuro est d'imposer une vision du monde où l'humain ne serait plus qu'une machine, où les sujets deviendraient comparables entre eux au nom d'une norme. De ce monde, la singularité et donc la psychanalyse seraient exclues. Aussi, Hervé Castanet démontre la nécessité éthique et politique d'intervenir pour que la vie ne soit pas dominée par la folie du tout neuro et que la psychanalyse ne disparaisse pas au nom de ce matérialisme. Et quelle est l'opposition donc, par rapport à la psychanalyse ? Alors, la psychanalyse, en posant qu'il y a de l'insu, constitue une véritable subversion du savoir. Le savoir inconscient échappe à l'objectivation. Or, la science, elle, vise à résorber l'insu. Et elle fait socialement mieux unanimité que le savoir inconscient qui, par définition, se dérobe. La thèse neuro qui rejette l'inconscient ne peut que concourir dès lors à l'éviction de la psychanalyse. Puisqu'il n'y aurait qu'une causalité neuro, exit aussi les pratiques de parole jugées sans valeur. Le sujet réduit à son cerveau est ainsi réduit au silence et l'imagerie cérébrale doit montrer la trace attendue comme seule preuve. Tout le réel devient neuro, ce que soulignait Jacques-Alain Miller il y a déjà quelques années. Je cite Jacques-Alain Miller, « C'est le neuro-réel qui est appelé à dominer les années qui viennent. À nous de savoir faire comment faire avec ce neuro-réel. » Oui, alors on a pas mal parlé au cours de l'émission avec une grande finesse de la dimension politique des choses. Ce combat donc dont vous parlez est de nature politique aussi donc ? La thèse neuro, in fine, est totalitaire. Il s'agit de combattre le pire qu'elle promet. Alors, quel est ce pire ? Une vie réduite à une quantification, l'expérience de la folie rapportée à un dysfonctionnement neuronal, l'art et le sentiment du beau ramenés à des phénomènes physico-chimiques, drames petits ou grands de l'existence ravalés à la physiologie. Enfin bref, au nom d'une machinerie cérébrale, désir, singularité, invention, souffrance, symptômes, tout le hors norme et tout ce qui fait le sel de la vie sont ramenés au seul cerveau dont l'imagerie doit in fine percer les secrets. Il s'agit d'homogénéiser l'humain. Et le pire est à craindre, bientôt des méthodes de rééducation viendront redresser quiconque objecte à la norme. Et alors, comment la psychanalyse, penses-tu, peut faire avec ces neurones réels ? Alors, ce que nous dit Hervé Castanet, d'abord, c'est que les psychanalystes n'ont pas à se justifier ni à s'excuser de leur choix. Ça, c'est un point très fort de l'ouvrage. Mais ils ont à mettre en cause les usages de la thèse neuro dans tous les champs du savoir et de la vie. Le combat à mener est à mener sur le terrain épistémologique, concept contre concept. Et car si la psychanalyse n'est pas une science, elle n'en est pas moins rigoureuse, et avec la rigueur qui est la sienne, eh bien elle peut soumettre la thèse neuro à l'examen critique. Ce combat doit donc tourner, nous dit Hervé Castanet, autour de la question du réel. Il y a le neuro-réel, qui est un réel physique, chiffrable, quantifiable, etc. Et puis il y a le réel de la psychanalyse, c'est-à-dire l'impossible à dire, le sans-loi, tout ce qui ne se laisse pas chiffrer ni écrire dans un rapport. Or, les tenants de la thèse neuro évacuent ce réel au sens lacanien, car pour eux, le réel, c'est le rationnel. Et tout le reste n'est pour eux que métaphysique obscure. Oui, on voit bien
Gwenaëlle Aubry nous a parlé d'une dimension du réel dont on voit mal... Enfin, dont on voit mal, dont on voit... On imagine si on avait traité ce réel par la dimension neuro. Oui, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, un forçage qu'opère la thèse neuro quand elle pose que tout le réel, justement, est neuro. Mmh. Alors, c'est ce que montre Hervé Castanet, c'est-à-dire qu'il repart de l'homme neuronal, où en 1983, Jean-Pierre Changeux, neurobiologiste, posait qu'il existe une substance matérielle de l'esprit et que le mental est le neuronal. Mmh. Et Hervé Castanet démonte dans son ouvrage les ficelles de l'entreprise idéologique sous-jacente finalement à ce que désormais Jean-Pierre Changeux et ses collègues nomment une philosophie biologique, qui est en fait une philosophie spontanée. Dans le champ du neuro, Hervé Castanet nous dit qu'il faut bien distinguer entre deux types d'écrits. Il y a les articles destinés à la communauté scientifique et qui répondent aux exigences de la preuve, et puis il y a les ouvrages grand public, des ouvrages de vulgarisation, qui s'appuient sur ces mêmes articles pour expliquer l'humain, au prisme du neuro, bien sûr. Mmh. Les auteurs de ces ouvrages étendent ainsi à l'ensemble de la vie humaine les résultats d'études circonscrites sur le rat ou la limace de mer. Ils passent ainsi de l'élémentaire au complexe, du rat à l'humain, pour faire valoir une théorie matérialiste de la pensée. Mmh. Sauf que, c'est là où le bât blesse, ces ouvrages grand public jamais n'apportent de preuves. La démonstration est toujours remise au lendemain. On sort là du champ de la science pour rejoindre allègrement celui de l'opinion. C'est un forçage qui fait fi du gouffre qui sépare l'animal de l'humain, qui, faut-il quand même le rappeler, est un être parlant. Alors que la psychanalyse, elle, maintient cette distinction. Alors avec la thèse neuro, c'est la valeur de la parole qui est en fait dégradée. Et les implications cliniques ont de quoi inquiéter. Par exemple, c'est éviter, voire effacer les traces indésirables dans le cerveau. Par exemple, les traces de souvenirs traumatiques. Ou bien créer de faux souvenirs. Et en fait, si on pousse le raisonnement, on n'est jamais loin, in fine, de la neurochirurgie, de l'intervention directe sur le cerveau. Bref, le sujet n'est plus qu'une machine à reconditionner. Bon, alors qu'on a vu toute la création qui pouvait répondre du réel chez Saint-Phal, est-ce qu'on pourrait dire que... Enfin, il me semble qu'avec ce que vous amenez, ce qu'Hervé Castanet déploie, que la thèse neuro dénie en quelque sorte que le sujet est ce que Lacan appelle un corps parlant. Alors, la thèse neuro prêche pour une naturalisation du monde, jusqu'à la culture, jusqu'au lien social. C'est l'empire du réel neuro. Et ce qui n'en relève pas est balayé d'un revers de main. Or, dit Hervé Castanet, je le cite, « un monde sans réel serait un monde qui se prétendrait plein, complet, bref, inhumain, car ne laissant aucune place au corps parlant. » Fin de la citation. En fait, la thèse neuro, qui prend son appui conceptuel dans la philosophie analytique, aspire à un monde de transparence où tout aurait son correspondant dans le cerveau. Un monde sans malentendu où le mot égalerait la chose, sans perte aucune. Un monde où le langage ne servirait qu'à la seule communication, sans quiproquo. Or, le corps parlant, faut-il le rappeler, est affecté du signifiant, c'est un corps malade de la vérité, et c'est aussi un corps jouissant. Et ce réel propre par l'être, les psychanalystes, nous dit Hervé Castanet, ont à le faire valoir contre ce matérialisme neuro. Ils ont à faire valoir, nous dit Hervé Castanet, un matérialisme, pour reprendre ce néologisme que Lacan a forgé, pour bien indiquer, pour bien pointer que le par-l'être, eh bien, est affecté par la langue, est affecté par les mots, au-delà du sens. Ce matérialisme n'est réductible à aucun matérialisme, aucune imagerie ne viendra le montrer, car finalement c'est d'une autre trace dont il s'agit. Absolument. Et merci beaucoup Dominique Corpelé pour cette présentation, cet ouvrage. Vous l'avez fait formidablement bien. Merci. Et avec cela, nous allons clôturer cette émission. Et merci beaucoup Yves. Merci Caroline. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Studios Lacan. Thank you.